imagination, concept, proche de ses abonnés, multi-gamer, multi-plateforme, youtubeur nouvelle génération, Monsieur Coty s'occupe de tout. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de Resident Evil 6 qui est développée et éditée par Capcom. Ça sort le 2 octobre alors que je l'ai eu plusieurs jours, pratiquement une semaine à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est un jeu d'action déconseillé au moins de 18 ans, comme il est bien écrit ici, 18 ans, qui a été offert avec ce superbe steelbook, c'est-à-dire une boîte pour ranger le jeu, mais vraiment super. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici, c'est une boîte en métal. Assez stylé, je vous la ferai montrer peut-être plus en photo sur Twitter pour ceux qui me suivent sur Twitter. Pourquoi j'ai fait une pause? C'était juste pour vous parler entre temps. Maintenant, c'est parti. Alors, on a plus de façon croix. Ok, faut que je regarde en même temps. Tout a l'air ok, l'hélicoptère, je sais pas ce qu'il me veut. Je sais pas du tout l'histoire de celui-ci. Je sais qu'il y a Léon et Chris. Il y a aussi le fils de... Ah, du Blondinet, je sais plus comment il s'appelle. À vous de me dire, parce que j'ai un peu oublié les persos de Resident Evil. Ah bah, c'était bien Léon. D'ailleurs, quel est votre personnage préféré dans Resident Evil, pour ceux qui adorent cette saga? Moi, personnellement, ça serait lui. Ou Wesker, voilà, c'était lui que je cherchais. Wesker, j'ai bien kiffé, même si c'est un peu un... Allez... C'est pas encore fini. Ah, c'est en français, les voix. Ça fait bizarre, un Resident Evil en français. Je crois que c'est... Peut-être la première fois, je sais pas si dans le 5, c'était en français, je ne crois pas. Pour ceux qui ont... Parce que je l'ai, le 5, la version Gold Edition avec le PlayStation Move, mais... malheureusement... Je ne ferai que te ralentir. Mais non, allez, on y va. Let's go. Mais j'ai pas eu, je l'ai pas commencé parce que j'ai trouvé personne pour le faire, vu que je l'ai eu à peut-être un an voire deux ans après. Allez. La sortie. C'est-à-dire qu'on aurait pu la laisser mourir, c'est ça? Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais laissé mourir. Hein. Allez. Par contre, pour cette vidéo-là, je vous promets pas que ce soit une vidéo de 15-20 minutes. Tu vas pas abandonner maintenant. Je pense que ça va plus être une vidéo de 30 à 50 minutes. Parce que je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés l'attendent, ce jeu. Oh oui, prends la barre de fer. Yeah! Par contre, s'il y a beaucoup de QTE comme ça, il y en a que ça va vite agacer. Moi, j'aime bien, ça m'amuse. Mais il y en a qui sont assez...
comment on dit, allergique aux QTE. Je sais pas si c'est votre cas à vous, parce que vous l'êtes. Les QTE, en fait, c'est quand on nous demande d'appuyer sur une touche à un moment précis. Donc, est-ce que vous aimez bien ça? Vous, moi, j'aime bien. Ça met en interaction le jeu. Faut juste que ce soit pas trop abusé. Un peu One Piece, c'est un petit peu abusé, je trouve. On avait tout le temps que ça à faire, limite. Même si c'était un très bon jeu au final, un peu court. Essayons par là. Ça fait bizarre des voix françaises. Oh là là. On est presque sauvés. Oh, un soldat. Pour l'instant, graphiquement, je trouve ça assez joli. Même si ça ne poutre pas trois pattes à un cochon. Mais... Hop, 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 les fesses, là. Je crois qu'il y a des petits cochons comme moi qui ont pensé la même chose. De secours là-dedans. Trouve. Attendez. Y a pas un système de visée que j'appuie sur les touches, mais non. Peut-être dans les poubelles. Poubelle numéro 1, y a rien. Numéro 2, y a rien non plus. Attendez, on va bien trouver une trousse. Ça me rend malade de voir tous ces soldats morts. Ah! J'ai oublié que dans Resident Evil c'était beaucoup de plantes vertes, beaucoup de plantes de cannabis. Oulala, la voiture est modélisée assez à l'arrache. Attendez, comme c'est une découverte, on est là. Attendez, je vais apprendre la plante. Mais la plante, la voiture, c'est grossier, je trouve. Léon, tu m'entends? Après, je sais pas ce que vous trouvez, mais. Hannigan. C'est bon de t'entendre. Où se trouve Elena? Elle est mal en point. Elle a besoin de soins. Est-ce qu'il te reste des herbes? Un peu, mais ça va pas m'aider. Laisse-moi te regarder. Hey. Bon, écoute, tu vas suivre. Laisse-moi te regarder. Eh mais je fous de ma gueule. Ok. Ok. Tiens bon. Ah. Pardon. Excuse-moi, Elena. D'ailleurs, qui est Elena? J'ai jamais entendu parler de ce prénom dans Resident Evil. Hors de question que tu les rejoignes. Léon. Oh my god. C'est Nemesis. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Non, c'est pas Nemesis. Il m'a fait peur. Il avait la même carrure que Nemesis. Oh, je me suis dit, si dès le début on affronte un géant comme lui, on n'est pas sorti. Hein. Par contre, il n'y a pas de sous-titres. Mais je lui ai tiré deux balles en pleine tête, il meurt pas, saligo. Merde, je suis plusieurs L1. Quel fou. Oh, plante-le, ah oui. Par contre, les ressent plus rien. Je peux pas me détendre une seconde. Laisse-moi récupérer mon couteau maintenant. Ok. Voilà, attendez. Donc il y a retourner à la partie, recommencer depuis le dernier, quitter la progression ou les paramètres de jeu. Maintenant, histoire de me capturer, les commandes on verra après, configurer la caméra, je sais pas ce qu'il y a à configurer, non, je préfère pas toucher. Les paramètres audio, oui. Alors... Non, il n'y a pas... Ok... Afficher les sous-titres, donc ça c'est ok. Ok. Oh bah tu vois, on va prendre du rose, ça fait bien bien assez rose. Hein. Donc tout est ok. Hop.
Allez, on y va. Je sais pas que ça va les afficher, qui disait que c'était affiché, mais personnellement, je voyais rien écrit. Hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais. Comment tu te sens? Ah, bah voilà. Je peux parler en même temps maintenant. Ça va aller, je crois. Ah, là, des beaux yeux. Merci. De rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez sortir de là, vite! On se dirige vers la tour Quad. Quoi? Non, c'est trop dangereux. Il y a des membres du BSA et des survivants. Je ne les abandonnerai pas. Très bien. Laisse-moi t'aider. Je vais t'indiquer le meilleur chemin. Merci, Hannigan. Genre une petite trousse, ça va mieux. J'ai transféré un guide pratique sur ton PDA. Ça pourra toujours être utile. Ok. Un peu à la Dead Space où il nous disait pardon où aller, genre là, hop, aller tout droit maintenant. C'est pas mal. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Moi, les C'est quoi ça? trucs comme ça me fout le trash. Surtout que j'ai le son à fond, je peux pas mettre les deux parce que si quelqu'un rentre dans ma chambre, j'ai encore plus paniqué, mais. Je vous avoue que dès que j'aurai fini la découverte, je me plonge dans le noir avec le casque à fond. J'espère avoir les chocottes. Hannigan, on peut aller à la tour par là? Oui, il faut continuer dans cette direction. Oulala, là là, mais comment on va faire? Désolé si je suis un petit peu lent à la détente, mais. C'est clair que Oni. Voilà, bien joué ma cocotte. Toi dans ton dos, dans ton épaule et dans ta petite tête. Je le vois plus, il est où? Par contre, même si l'éclairage je les ai mis assez élevé. Ils arrivent de nulle part. Comment on fait pour se tirer? Attendez. Merde, on peut plus. Bon, maintenant ma cocotte. C'est peut-être ce qu'il fallait faire depuis le début. Courir et ne pas les tuer. Léon, là. Ah! Ça va vite exploser ça. Oula, voilà, ça c'est du beau spectacle. Ça nous en met plein la vue. Allez, on n'est plus qu'à 70 mètres. Vite! Ah! Par ici! Montez! Vite! Allez, hop! Voilà, voilà, voilà! Merci, mon coco. Allez, dans l'hélicoptère. Yeah! Dégage la zombie de merde. Merde. Genre le soldat il a comme ça, il nous a donné sa vie pour qu'on survive. Hein. C'est un héros ce mec. Pardon. Ça m'arrive d'être du merde aussi. Pardon. Comment tu veux que je repasse? Hop là. Ouais, je sens que le jeu va être bourré de QTE. Mais bon, ça, c'est pas des trucs trop compliqués non plus. Moi, c'est moi, voilà. J'ai mon hélicoptère. On est où on veut. Je me tire le plus loin possible. Mais laisse-le tomber, ça, c'est devenu un zombie. T'es con ou quoi? Oh merde! Merde! J'ai failli la faire tuer. Oh merde! Elle va mourir. Ou pas?
Je crois qu'il y avait, peut-être un trophée à ce niveau-là où il fallait le tuer directement. Mais bon, je le referai. C'est du très grand spectacle. Hein. Faut oublier un peu les Resident Evil à l'ancienne. Bah maintenant, le jeu aurait peut-être dû s'appeler autrement. J'avais une petite question pour vous, les fans de Survival Horror. Quelle est votre franchise ou votre série de jeux d'horreur favorite? Oulala, il y a Resident Evil, il y a Silent Hill aussi, il y a quoi d'autre qui... Dites-moi, que là, de tête, j'arrive plus trop à m'en souvenir. Il y a Dead Space aussi. Bien connu. Donc à vous de me dire tout ça. J'aime bien vous faire interagir avec moi dans les vidéos. Comme ça, c'est des jeux qui peuvent être intéressants, bah, je vais peut-être les faire. Allez, on y va. Même si j'ai plus de munitions. Attendez. Ah ouais, je peux avoir deux guns. Par contre, j'ai remarqué quand il fait un zoom, je sais pas si vous voyez ses cheveux. Regardez bien ses cheveux, regardez. Quand je suis comme ça, ils sont beaux. Quand je suis comme ça, ils sont tout floutés. Bon, c'est un peu exprès le fait que ce soit flouté, mais je trouve pas ça très très beau. Pour l'instant, le seul défaut que j'ai à dire, c'est graphiquement, ça me déçoit. Après bon, comme je dis souvent, on peut pas juger un jeu que sur ça. Mais dans les trailers, j'avais l'impression que c'était super super beau. Non, il est mort, chérie. Pourquoi? Je crois qu'il en demande. Ok. Et là, ça va nous remettre dans le passé, en fait. Et lui, il a vraiment balèze, ce qu'on allait rencontrer. Hein. J'avais vu une photo qui montrait que à gauche c'était une sorte de girafe et à droite c'était un mec qui faisait une hem-hem à la girafe. Regarde, mettez bien sur pause pour le sigle et vous allez voir que ça ressemble pas mal à ça aussi. Dans la chaleur de la nuit. Oh oui. Pour l'instant, mais le jeu me plaît bien en tant que jeu d'action, il a l'air vraiment excellent. C'est juste que ça pique un peu les yeux sur la télé, malgré que sur le PVR je vois que ça tourne assez bien. Donc on a le droit à trois campagnes en gros. Jake, Chris et Leon. Bah, je vais prendre Leon pour... À part si vous voulez qu'on fasse... Bon, on va essayer de Jake, tiens, tant qu'à faire. C'est parti. Que moi je ne le connais pas. Difficulté normale, solo, hop. C'est parti. On a le droit à Jake ou Sherry. On va prendre Jake, il est beaucoup plus swag. Hop. Ouais, on reste hors ligne. Réaction au tir. Mission. Oh, ça c'est bien. Je vais prendre ça. Après, c'est mon style de jeu, donc... Après, si je vois qu'il y a des trophées, c'est dire quoi ça? Désactivation. Je sais pas ce que c'est. Je joue hors ligne parce que... Voilà, commencer la partie. Mais je compte le faire avec quelqu'un, ce jeu. Un abonné ou un youtubeur, je sais pas ce que, ou un ami tout simplement, mais vu que j'ai le jeu, plusieurs jours à l'avance, bah, j'ai évité de me connecter au réseau, sous peine d'être banni ou d'avoir un quelconque souci. J'espère qu'on peut faire n'importe quelle histoire dans n'importe quelle. Comment dire. Qu'on peut faire Jake, Leon, Chris, Leon, Jake par exemple. Hein. Que ça va pas nous spoiler l'histoire des deux autres.
chose? C'est censé me donner un coup de fouet. Mais je sens pas la différence. Tu sais, entre nous, on aurait dû demander plus d'argent. Beaucoup plus. Je suis sûr que ça faisait pas partie du contrat. Et je suis prêt à le renégocier. Oulala, les yeux qu'il a sur la tête. T'as pris ta dose? Ouais. Si t'en veux aussi, faut voir avec la dame à l'étage du dessous. Mais je te le déconseille. Aucun doute. T'as les anticorps. Merci beaucoup. Attends quoi? Tu es la clé pour sauver le monde, Jack Müller. Je vais d'abord me surveiller. Moi. J'aurais pas voulu faire un let's play sur ce jeu, mais c'est un peu compliqué à faire, c'est dommage. D'ailleurs, vous, si vous aviez à commencer le jeu, vous auriez pris quel personnage? Leon, Chris ou Jake comme moi? Je sens que vous, vous auriez fait dans l'ordre normal. Mais moi, je suis un peu bizarre, du coup, bah, je vais commencer par le personnage qui me... Sur qui je me posais le plus de questions. Ces choses étaient déjà... Ce sont eux les armes biologiques des insurgés. Voilà qui explique la présence des troupes du BSA. On doit quitter le pays sans attirer l'attention de l'une ou l'autre des... Voilà, l'ombre m'a bien fait peur. Ok, croix pour courir. C'est bon, nous. Visée un peu faible. Oulala, 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 moi je m'en suis. Je vous laisse dans votre merde, les amis. Bien reçu. Yahoo. Mais c'est qui fait ça? Mais sur quoi vous tirez? Chacun des hommes sont des javots maintenant. Et tu es habillé. Par contre, quand il court avec croix. Pas joli joli hein. T'as du popcorn ? Putain, on dirait du Call of Duty ça. Hop. Ouais, j'ai vu que tu voulais me tirer dessus. Hop. Oh my god. Mais... What the fuck? Ah. Putain, c'est un peu abusé qui nous spawn comme ça. Vite! Saute, mon ami! Yahoo! T'aurais pu faire un plus beau saut quand même. Hein. Ah, ça c'est chiant, par contre, si on doit toujours l'attendre, si elle est assez lente, ça va pas le faire. Très bien, voilà mes conditions. Je veux toucher 200 000 d'avance, et 200 quand ce sera fini. Pour les armes biologiques, il y a un supplément. Ce sera 1000 de plus, par tête. Je suis pas venu pour t'engager. Hein? T'es là pour quoi, alors? Pour ton sang. Tu bosses pour la Croix-Rouge? Non, écoute.
Ces choses qui nous ont attaquées, elles ont été exposées à un virus. Le virus C. Ouais. C'est justement la souche que tu viens de t'injecter. S'il ne t'a pas affecté, c'est parce que tu possèdes les anticorps. Nous sommes confrontés à une attaque bioterroriste mondiale et il nous faut trouver un vaccin au plus vite. S'il te plaît, aide-nous. Jake, il nous faut ton sang. $50 millions. Quoi ? En cash, non négociable. En échange, 1 demi-litre. Elle négocie bien ce mec, hein. Mais vous savez, je viens de penser à un truc. Oups. Donc, je disais que je viens de penser à un truc. Je vais peut-être faire l'histoire. Enfin, quand j'aurai fini la sienne. Enfin, après que j'ai fini la découverte. Et que j'ai fini son histoire. Bah, dès que je passerai à celle de Chris ou Leon, eh bien, bah, je la ferai en découverte aussi. Comme ça, je vous la proposerai 2 jours après. Enfin, c'est-à-dire 2 jours son histoire, 2 jours celle de Chris et 2 jours celle de Leon en découverte. Ça pourrait être sympa. Faut leur tirer dessus ou pas? Vu que j'arrêtais pas de parler. Pas moyen de le. Ah si. Oh yeah! Prise de catch. Yahoo! Genre, il me voit pas là. Ça, vous voyez, c'est pas trop bien fait, j'ai envie de dire. S'ils sont aussi intelligents qu'une huître, dépenser des points d'habilité pour obtenir des habilités. Ok. En gros, c'est qu'on peut faire évoluer son personnage. Par contre, même si on court, il nous remarque pas. Mais bon. Oups. On va se la faire hein. Discretos. Oups. Oh merde! Bah, on peut dire que l'IA en normal n'est pas du tout. Attendez, je vais descendre. Il y avait un truc à faire en bas. Merde! Allez! Oh, j'ai envie de tous me les faire. On peut dire que l'IA n'est pas très intelligente. Je suis obligé de me le faire comme ça. Ah, ils explosent comme des bombes, ok. C'est plus des zombies, c'est des bombes à retardement. Des munitions, même si on en a à l'infini, logiquement. C'est pas plus mal que ça, je vais pouvoir bourriner. Ok, Ninja Gaiden. Contre la. Tu trouves que je ressemble à une acrobate de cirque? Je vais trouver un autre passage. Ne t'éloigne pas trop. T'en fais pas, contre la caméra. Je ne pas sans mon argent. Ok. Viens m'aider. J'ai l'impression d'être au boulot. Ça doit être pas mal à deux. À deux, ça doit être énorme. Peut-être que je ferai quelques missions en coop. En vidéo. Sauf si je le finis trop vite. Est-ce que c'est vraiment par là qu'on doit passer? Je ne pense pas. Ok. Faut collecter les emblèmes peu bizarroïdes. Ce endroit est en train de s'effondrer. Allons-y, mollo. On n'est pas revenu à la même place que tout à l'heure, en gros.
Attendez. Là, ils nous disent où faut aller. On va suivre un peu. Faut aller là-bas. On est d'accord. Donc, on peut descendre là. On peut passer par là. Merci. D'accord. Elle me saute dessus et tout. Ouais. Ah. Merci copine. On dirait que ça va pas être facile pour le BSA. Au loin, c'est le décor, moi j'aime bien par contre. Aux dernières nouvelles, mes employeurs avaient un tank de l'autre côté de la rivière. Comment on se met en... Le BSA ne peut sûrement pas quitter ce pont en un seul morceau. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Le système de couverture, ouais. Ok, mais je donne 40 000 coups de poing. On va rester au loin parce que... Tu me reprends une balle en pleine tête? Non. Par contre, est-ce que vous la voyez, vous, la mire on la voit un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Ça, on dirait qu'ils l'ont fait pour des gens qui ont une vue très... En plus, j'avais activé le truc munitions illimitées, mais il n'y a pas de munitions illimitées, on dirait. Ok. Pas moyen de récupérer des munitions, non. D'accord. Pour l'instant, je comprends pas trop certaines choses dans le jeu. Je vais jouer là combien de temps ? On est à 32 minutes, donc il nous reste à peu près moins de 10 minutes. Alors, en gros, nous, on te fait monter au 7ème ciel et nous, on fait l'acrobate. Lui, il sait que tout va s'effondrer, mais il n'hésite pas à... Ah, allez. Bordel. Je suis pas l'un de ces dégénérés, bande d'imbéciles. Ah, mais ça, il le sait pas. Pour lui... Allez, cote. Non. Vite. Allez, mon ami. Grimpe. Voilà. Ils l'ont descendu. Nous, on est entre tout le monde, on sait pas ce qu'il faut vraiment faire. On avance et tout, sans savoir. Quoi? On se bat ou on fuit? Ils sont trop nombreux! On va devoir fuir! Bah, c'est ce que je comptais faire. Hein. J'ai pas de munitions donc. Bien reçu! Putain, c'est des. C'est des problèmes qui vont me gaver dans le jeu. Voilà. J'avance bien et vite. Mais. Quelques petits soucis comme ça. Mais bon. Un jeu ne peut pas être parfait, malheureusement. Mais je critique beaucoup, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Je sais pas comment vous le trouvez, mais c'est plus vraiment Resident Evil par rapport au personnage que j'ai pris. On m'avait dit que Chris et lui étaient à beaucoup action, et Leon c'était un peu plus survival. Ou survival, mais vu qu'on l'a vu en introduction, je me suis dit. Voilà, on pouvait voir de nouveau. Oulala, c'est quoi ça? Oh là là, lui, je veux pas l'affronter.
Surtout qu'on a plus de munitions. Non, non, non. Faut partir. On veut pas l'affronter lui. Mange ça. Merci de m'avoir prévenu. My God. On dirait Dodo. Ok. Je devais la placer. Passe à ton plan. Échappé à Ustanak. Bordel de merde, il est fort. Un peu comme moi. Oh putain, my god. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ah ça, je kiffe ce genre de scène. Oh oui. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Ah mais il a agile en plus hein. On va dans les chiottes, le meilleur endroit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il nous poursuit. Enfin, il te suit toi. Qu'est-ce qu'il veut lui? Y'a pas moyen de récupérer des munitions de sur son corps? Voilà. Voilà, on va récupérer la plante et on monte au 7ème ciel. C'est parti. Bien reçu, bien reçu. Mais attendez. Elle, on est d'accord, on la monte. Mais non, on peut pas monter avec elle, c'est ça. Ou si on peut. Ah, vous voulez peut-être monter pour rien, finalement. Non, 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 non. Ça, c'est un beau petit traquenard. Regarde, on peut sortir par là. Voilà. On dirait que ce bâtiment va s'effondrer aussi. Quelqu'un devra appeler un architecte. Il fait encore plus froid ici que dehors. Il y en a beaucoup des portes comme ça. Hein. Je pense qu'ici ça va être une zone où on va falloir l'affronter. Je sais pas pourquoi. Ces enfoirés n'ont vraiment rien de mieux à faire. Oui, on va nous laisser tranquille là. Oui, je sais que j'ai fait la petite tapette, mais c'est pas pour rien. Attendez. Moi qui aime pas trop jouer le. Comment on appelle ça? Allez, vite. On y va vite, 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 vite. Il va défoncer la porte, non? Je veux pas l'affronter, s'il vous plaît. Tu veux nous laisser partir? Il va bien falloir qu'il l'accepte. J'arrive aussi vite que possible. Oh putain, il m'a déchiré en un coup. Ah, je sais plus comment on l'utilise le truc. Comment on utilise la trousse? Ah voilà, c'est bon. J'ai utilisé 4 points de vie. Donc maintenant, on va se le faire. Ou pas. QTE, non? Ah putain. Il est en train de nous défoncer. Et elle nous aide pas, parce qu'elle est en train de foutre.
vraiment du mal. Mais j'essaie de me mettre ici. Ah mais il est rapide en plus. Mais vraiment super rapide. Adieu, cher ami. Voilà. On est mort. Oui, on va bien sûr continuer. Mais je vais continuer hors antenne, parce que là, nous sommes à 40 minutes, un peu plus de 40 minutes. Donc, pour savoir comment le tuer et compagnie, bah, je vous invite à acheter le jeu, tout simplement. Ou de me demander des vidéos. Je pourrais vous faire la suite, ou je pourrais refaire le chapitre, ou pas de souci, à vous de me dire. Et dites-moi surtout si vous êtes intéressé pour voir les découvertes des deux autres personnages, qui sont Chris et Leon. Je ferai pareil, à peu près 40 minutes de vidéo pour les deux personnages, et puis voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine. Salut!